nous suivent et qui habituellement jouent à d'autres jeux Smash, mettez-vous sur Melee, vous fixez pas sur la barrière technique. Il y a moyen de. Il y a moyen de la transcender. C'est la transcender. Super guerrier transcendantal. On a Arte qui est arrivé, on va voir un shit pitch. Vas-y, je connais pas trop ce match-up moi. Ah, oh, bien si tu connais tout toi. T'es la Bible. J'ai vu ton match face à Artil. Ouais. C'est, ça m'a fait rire hein, qu'il a, il a un petit Falcon aussi. Hein. Il a plein de petits persos. Hein. C'est de la merde. Alors, oui, je sais. Mais il y a eu des nids un peu bizarres hein, qui sont passés. Mais même au-delà de ça, il a un bon mouvement. Ouais. C'est vraiment pas un joueur qui peut se désestimer, je trouve. Et je pensais, tu vois, genre. Il y en a qui progressent. C'est bien. Mais on a commencé direct, tu crois, ou Oui, oui. Arte, il a pas besoin de. Enfin, je sais pas s'il va en même temps que ça. Non, il a pas besoin. Et lui, il était genre. Non, je pense que ça commence là. Ça commence. Donc, ça commence direct sur les chapeaux. Oui, ça commence clairement là. Ça... Oh, 14-14. Là, donc, ouais. Tout chic. Avant les 25%, faut vraiment qu'elle trouve des grappes. Oh, c'était bien ça. 80% chic, c'est sa meilleure. Le but du match-up pour chic, c'est d'avoir des grappes à 20%. Ensuite, t'as deux trucs pour pouvoir combo. Ouais. Là, concrètement, tu t'as un grappe tout de suite. Là, il est censé faire. Avec non, le... pas tout de suite, là-bas, tout de suite, là-bas. Peut-être un EPR. Enfin, après, tu iras sur Fontaine. Ça tue pas, mais au moins, ça met dans une position qui permet ouais, peut-être. Elle garde pas mal. Elle garde assez bien Peach, shit. Ouais. Mais je pense qu'il est très bon contre Peach, Arte. Il a pris game à Over Three Force au tournoi. C'est dingue. Ouais. Et inversement, moi je pense que JBJ doit être très très bon contre, contre Peach aussi. Parce que Henry, c'est un. C'est le genre de mec qui réfléchit beaucoup et enfin les moments où il est le plus fort généralement j'ai l'impression que c'est voilà là il c'est ouais c'est stylé là JBJ il est au dessus pour l'instant parce que il attaque son shield sur les plateformes comment j'ai abandonné Arte il attaquait trop là pendant cette première minute sur le shield de JBJ il a des free tu sais shield refer ouais. Tu fasses gaffe à ça pendant le set. Ah, il a tenté un reverse sur le frontier, ça aurait pu être sympa. Oui, mais tout à l'heure, j'ai pas pu finir en l'argent. Je disais comme quoi Henry se débrouille bien contre. Enfin, il a du mal généralement contre les persos qui lui mettent beaucoup de pression. Mauvaise DI. Quand il peut bien bouger, généralement, il fait vraiment bien le taf. Peach, elle a sa manière de. Ouais, j'ai l'impression, elle a déjà des. Elle a des shield stun X. Genre, elle a la meilleure shield pression du jeu en soi. Ça dépend. Ah, il y a des coups vraiment forts sur le shield. Hein. Faut pas trop encaisser contre Peach. Après, ce qui est pas mal pour Chic, oh, c'est que c'est on un. On a essayé le su. Le su, ouais. Oh, su. Encore un. Putain, j'aime trop. C'est le feu. C'est RC en plus. Le mec, il se space très bien là. Franchement, ouais. Il s'en sort très bien pour l'instant. Il est juste qu'il arrive, j'ai l'impression, à. C'est à bien space out Arte. Ce qui est chouette, c'est que. Ah, joli c'est que. Il est mort. Ah, il rate très bien. C'est que Chic. Joli coup de nerf. Chic utilise voilà. Très peu des mouvements en crouch. Ouais. Donc du coup, ça fait que tu peux pas. Oh là, la bombe elle est partie direct. Ça a été peut-être. Oh, joli. C'est un peu plus intéressant de la garder. Joli. Let's play de la part de JBJ. Ok. Voilà, line dash attack, ça met sur la plateforme directement, il peut continuer avec le fer. Oh là, la roll accidentelle. Le combo. Il tech chase mal et. Oh là là, il a des bons mouvements sur les plateformes. Ah ouais, je trouve qu'il joue très bien sur les plateformes. Il va falloir qu'il s'adapte. Oh, il a tenté un su. En plus, c'est en crouch control. Ouais. Oh là, il est en train de le rendre fou. Il le rend loco. Mais il est trop intelligent. Il est vraiment intelligent. Voilà, bon là, c'est fini concrètement. Donc, faire, voilà. Ouais, dans la foufoune. Il a du mal à rentrer dedans, Arte. Là. Il a du mal à rentrer dedans. Peut-être qu'il devrait plus prendre le navet, je sais pas. Tu l'as dit toi-même, bon mouvement de la part de JBJ qui utilise clairement les plateformes. Ouais, donc, du il utilise très bien. Peut-être un peu plus de ça range aussi. Peut-être qu'il devrait plus tirer de navet. Bah là. Alors, bah, je pense que ça, dit, c'est pas mal. Ça lui sera plus profitable du fait que là déjà il n'y a plus de plateformes qui vont lui permettre. Je pense que ça peut l'aider, ouais. Ça peut être un bon choix. Bah JBJ pourra plus s'échapper avec les plateformes. Ouais. Voilà. Il me semble qu'il a un bon fini sur FD Arte. Oui. A voir. Joli boost grab. C'est quoi la différence entre un boost grab et un. Boost grab, c'est tu commences par un dash attack. Pour avoir plus d'inertie et ensuite tu grabes.
Attends, comme un J c'est grave mais avec un A au lieu d'un J, c'est un genre un jump cancel. T'appuies sur A et R en même temps. A et juste après Z, comme ça tu vas plus loin, ça le fait avec tout le monde. Hein. Ah oui non mais ça c'est J c'est grave. Non ça A c'est et Z. Non. Non, J c'est grave c'est Y et Z ou X et Z. Ok oui ça c'est ce que je fais tout le temps. Ouais. Et là oui, ce que tu dis c'est genre t'appuies c'est sur grave. A. Mais c'est, avec Fox c'est ça pas trop. C'est ça beaucoup c'est pas qui va très vite au départ. Ouais, ouais exactement. Fox aussi, mais il va un peu plus loin avec, mais pas, ça se voit pas forcément. C'est chouette, c'est même pas. Mais c'est pas mauvais avec Fox. Avec Falco, c'est pas mauvais aussi. Ah, j'aime trop quand ils jettent les radis comme ça, les pitchs. Ça prépare le potager. Et puis là, autant vous dire qu'on a une belle parcelle de terrain. Ok, le nerf. Et là, pour l'instant, il se paye mieux là déjà. Ouais. Il utilise plus les coups rapides. Ok, le bon petit. Il fait des jolis nerfs, j'aime beaucoup les nerfs que fait JBJ. L'option, je pense, qui est très bonne pour cheat sur cette map, c'est les Beagles. Pour empêcher Peach de float, quoi. Sur FD, t'es obligé d'un peu de te les prendre. Ouais, ouais. Joli, ça. Là, il va mettre en edge guard. Mais essayer de revenir par le haut. Bah, joli Rico, hein. Il a bien su savoir à quel point il était safe, parfait. Oh, il a grave. Il n'y a pas de photo. Ah, joli, il a le cross-up. Excellent cross-up. Ouais, ouais, là, il reste assez simpliste. Il tente des shield grabs qui passent pas parce que là, pour l'instant, ça roule bien au-dessus. Il se démerde pas mal, là. Ouais, 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 c'est mieux. Mais je pensais pas que Sheik avait un combo game aussi puissant sur Peach. Hein. En PAL, ça fait beaucoup, vraiment la différence par rapport à PAL, le FTC. Dans le sens de quoi? Qu'est-ce qui change? Pour les downthrow, t'as le downthrow, en fait. Ah, oui. Surtout, tu peux tuer comme ça en fait. Alors là, si le grab il est mort quoi. Joli le up tilt, mais c'est de Shark. Oh, joli upper. Et le upper en dessous la ceinture. En dessous de la ceinture, mesdames et messieurs. Je veux dire, même en dessous de la jupe. Là voilà, faut qu'il essaie de trouver là un grab ou alors lancer les needles. Ah, c'est bien, parce que là, il se noise. Voilà, là c'est bien. Là, il est en train de derrière très safe. C'est pour ça que c'est assez dur à approcher de la part de Sheik avant 30%. Voilà, là, il est déjà mieux, il fait dash attack. Voilà, il knockdown. Là, voilà, tech chase. Oh déjà, il joue vraiment très méthodique, très bien là, JBG. Je suis assez étonné. Normalement, ça m'étonne. En fait, il a perdu contre Swan Kiwi, c'est le même match-up juste avant, il a battu 3-0, donc ça peut être un peu. Ups, repair, qui tue. Et parce que Swan Kiwi, il a des mouvements vraiment incongrus, genre, et je pense que du coup, il a dû se faire chaud. Je sais pas. Alors là, attention, il a un needle. Est-ce qu'il va le ramasser? Non, il a un needle, pardon. Il avait un stitch face qu'il a pas ramassé, JBG. Oh là, joli ça, dommage. Là, faut qu'il essaie de retrouver le grab encore une fois. Oh, la poêle! Quelle heure il est? 21h54? C'est tout? Ah, mais il est que 22h! Oh, je tu tech chase bien! Ah, ouais, mais regarde, là, juste après, on est en. Oh là là, c'est excellent! Nice! Ouais, Glaykit! Il est plus là, je crois. Comment ça va, Glaykit? Oh là 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 là, deuxième stitch face. Deuxième stitch face de la game déjà. C'est une macro ça. Mécontent le. Oh là là, ça va être. Parce que là il a vraiment l'avantage avec le temps du balance. Trop bien. Sur FD, je pensais que c'est difficile pour Peach parce que là si elle est en l'air sur FD, c'est pour revenir sur le stage, Chic elle est parfaite pour la rattraper pour la. Surtout NTSL, elle est parfaite pour la dégommer. Du coup, il va changer d'avis, il va aller sur Fontaine. C'est sur Fontaine qu'ils ont été au départ. Hein. Oui. Il me semble. Oui, c'était sur. Je cancel le down smash. Il joue très bien à travers le. Il se fait pas avoir par les down smash d'Arte, il passe bien à travers. Joli dash attack, il a plus combo derrière. C'est pas évident. C'est les flux, c'est excellent là. Oh, le petit fer, joli. Joli nerf préventif de la part de Arte. Prévention. Oh là, le backer. Et là, il est parfait pour le. Voilà, pour Edward, c'est parfait. Franchement, elle a pas de problème pour Edward Pitch. Chic, elle a vraiment un Edward sale sur Pitch, pardon. Joli upper. Trois stocks partout. Bah, elle a des coups qui vont très loin. Et qui restent un petit peu. Capoé là. Pour l'instant, il utilise bien ses kunai. Oh là là, j'adore ça. Oh, ça c'est excellent. Ça. C'est trop. J'ai mis 48% avec deux downs. J'ai bien le feu.
Ah ouais, il a pas mis le stick vers le bas, c'est bien de la part de JVG1. Hein. Ouais. Oula, joli grab, excellent grab. La tech chase. Quoi excellent le grab. Il a lâché pression. Dommage, il a pas su read la roll. Voilà, joli grab. Avec oh, le petit il a voulu tech chase, mais il arrive ça. Oh, et... Ah, oui, c'était dangereux, mais c'est bien. Il a réussi à se repositionner correctement sur le rebord. Excellent. Bon, je passe gaffe au nerf de. Plus gaffe au nerf de HP, mais là ça le tue à tout. Ok, il y a une bafounette qui passe, ça space. Oh et ça, le dernier. Tu vois, la shield pressure de Peach est quand même quelque chose. Ah oui. Mais elle a plusieurs types de shield pressure en plus, donc du coup ça peut vite te mettre en déroute. Hein. Elle a d'une part le down smash qui est assez simpliste, mais après il y a le nerf qu'on peut faire très rapidement aussi. Oh. Là il essaie de trouver le grab, on voit. Là c'est un grab, c'est meurt automatiquement. Joli dans smash, il va avoir un hyper Federico. Ah dommage, joli Il y a le attaque depuis l'air. Dans smash qui tue. Ok. Il a pas fait la pire DI. Non il a pas fait la pire DI. Oh là là, tech chase. Oh attention là il peut peut-être essayer de. Joli ça. Il savait qu'il allait sûrement se faire grab Arte, mais il s'est dit je préfère le faire grab ici que le faire Edward. Le père, Mandon, c'est le nerf qui l'envoie. Non, c'est bien, c'est bien. Le nerf, c'est super fort. Le nerf, des fois, c'est même plus puissant que le front air. Oh, joli Capoeira. Oh, le back air. Le petit trade, les deux vont survivre. Dragon Ball. Là, c'est un très important de prendre. De prendre cette stock. Bah, surtout pour Arte, parce que là, il est déjà en train de perdre 2-0. Ouais. Du coup, ça peut le remettre en confiance. Nice. Là, il fait des trucs. En fait, il arrive bien à faire des air dodge comme ça. Après, Arte fait peut-être pas les bons air dodge, mais il essaye d'attaquer. Parce que JVJ s'attend beaucoup et peut-être que juste mettre un fer dedans, ça peut marcher. Là, ça peut être bon pour JVJ, là. Ouais. Là il se met très bien. Il a de la chance, ça va du bon côté. Le joli shield, le nerf out of shield. Oh là là, le spacing de la part d'Arte, le crouch cancel. Oh malinx le lynx. Ah, il a pas eu le temps de finir. Il a bien reculé. Très bonne Rico, JVJ là. Non mais même moi ce que j'ai apprécié derrière c'est que direct il s'est remis en position, il s'est remis au centre. Ah, il a des bons flops. Oh, joli, excellent ça. Oh là, il a l'edge guard. Oh, je pense pas que c'était possible. Joli, je pense que même JVJ, on peut le voir sur le cabaret, il a été un peu étonné, ça m'a un peu choqué que ça touche. Mais c'était un très joli backer de la part d'Arte. Il va retourner. Non. Je pense que ouais, Yoshi's. Moi, je pense que le meilleur choix, c'était Pokémon Stadium, peut-être. Yoshi's, on peut voir ce que ça va donner. Joli Shikram, Tech Chase, oh excellent. Voilà, faire double fer et ça. Non, j'ai cru que ça allait tuer. Non, même avec une mauvaise DI, je suis pas sûr que ça tue. Oh. Là, par contre, cette fois-ci, Peach qui a l'edge guard. Oh, dommage. Oh, c'est comme s'il avait bait, t'as vu. Allez. Voilà, là, c'est bien. Là, il get sa proie, il la met bien au-dessus. Tire au lapin. Hop. Ça me surprend à chaque fois le boost qu'il y a de Chic. Avant de voir la téléportation, il y a une sorte de petit boost. Ouais. Comme le side build mark, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui ouais, le met un peu en l'air. Mieux. Oui, il est encore mieux. Mais... Ah, il a plus de saut. 3 stuns partout. Oh là là, il cache le double jump. Et Arte qui... Oh excellent là, c'est Dev Tilt qui cover Peach sur les plateformes en étant safe, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas un move le front smash de Chic, non? Non. C'est pas terrible. Non. Le Dev Tilt par contre est très bon. Oh, il a plus de saut. Ça devient compliqué. Ah, je pense qu'il aurait dû y aller. Il aurait dû y aller, ouais. Je pense qu'il aurait dû aller attaquer avant. Ah, mais là il était bien, tu vois, il était sur le terrain. Ah, parce que... Oh, joli, joli escape. La DI était incroyable. Elle était pas si. Oh, ah, non, je crois, j'ai l'impression qu'il a pas spawn là. C'était une très belle DI. Oh ouais, le fer là, il était trop avancé sur son fer, c'était pas safe. Il a juste tué à faire un air de top shield Arte. Ah, il a des très bons auto shield le petit Arte. Hein. Il est pas là pour blaguer. Oh, le petit... oh, oh trop bien. Combo, big combo.
Oh, Tech Chase. Est-ce qu'il va y avoir un su? Oh, là je pense que au lieu de Wildland, il aurait peut-être pu essayer le down air qui promoterait sur un upper. Ouais, mais tes conseils, tu te les gardes. Si, si. Oh, le upper. Glake It, il est hyped. Oh, trop stylé. Le Glake It, bang bang. Ah, Xavier. Si, si. Bang bang. Shoutouts to bang bang. Xavier a mis le one. Ok, ça part sur un grab. Oh, oh. Eh, t'as vu, il a tenté ouais. De faire un re-grab ou. Enfin, il a attendu patiemment, c'était joli. Et là, une baffe. Drôle qu'il ait réussi à chier comme ça. Des bonnes jailles de la part de Arte qui jaille vers le bas pour pas se prendre de baffe. Ouais, excellent. Oh, ça peut être la fin. Oh là là, il a un peu grip et il a plus de saut. Mon gars, là, c'était. Arte, là, c'est le moment ou jamais pour revenir. Eh, c'était une caouette. C'était même pas une carotte, c'était une caouette. Oh, il peut profiter de ça là. Là, il peut tout faire. Il peut le. Ouais. Je pense que. Ouais. JDJ qui est solide sur ses appuis. Oh, trop bien. T'as vu ce reverse? C'était un très joli set, quoi. Ouais, en winner final. Ouais. Je pense qu'il manquait à Spawn Kiwi.